Aujourd'hui, l'épaule d'agneau confite au four. J'ai mis un petit peu de thym, je rajoute du sel. Très belle épaule, hein. Ah bah elle est magnifique. Ouais. Du poivre. J'ai plein de choses à dire sur cette épaule. Très bien. Qui dit agneau dit des grosses pièces. Or cette année, on va pas se réunir à 15. Or, tous les artisans bouchers et les grandes surfaces se sont mis à l'heure du confinement et vont proposer des découpes pour 2 personnes, pour 4 personnes, pour 3 personnes. Manger de l'agneau français. Surtout, surtout, il y a de l'agneau qui vient d'étranger. Mais cette année, manger de l'agneau français, ça va aider nos éleveurs. Très bien. Allez, go. Donc combien de temps la cuisson ? 4 heures à 160 degrés. Pendant ce temps-là, tu vas préparer les frites. Ah bah oui. Tu coupes tes pommes de terre comme ça, des grosses frites. Donc tu coupes tes patates. Je prends un peu d'huile, une cuillère à soupe. Quel type d'huile ? Huile d'olive. Très bien. Sel. Ouais. Et là tu mélanges. Oh bah j'ai oublié une patate. Ah bah, elle voulait pas aller au four, bah t'iras quand même au four. Voilà. Ah, déjà, c'est pas mal, 2h30 plus tard. Je rajoute mes frites qui vont cuire pendant 1h30 à 160. Là, je vais remuer pour qu'elles profitent du jus. Ah oui. Ouh là là, ça va être très très bon ça. Pendant ce temps-là, tu vas préparer ta sauce. De la menthe, 3 gousses d'ail, du persil. On dit pas du persil ? Du persil. Ah oui, voilà. Tu mets un piment, moi je vais mettre ça. Et l'huile d'olive, ok, vas-y. Attends, juste une question, les gens qui n'ont pas de robot, comment ils font ? Si t'as pas de robot, tu le fais avec un couteau. Eh oui, bah oui. Donc ça prend beaucoup plus de temps, mais bien sûr que tout se hache au couteau. Mais voilà, le monde peut fonctionner sans robot, c'est bien. Dieu merci. Et voilà, donc ça fait 4 heures. L'épaule d'agneau confite au four. C'est pas beau ça. Voilà. Et tu comprends pourquoi j'en ai fait plus ? Non, je comprends pas. Mais... Bah parce que quand c'est bon comme ça, t'es content d'en avoir le lendemain. Ah ouais, c'est vrai. Même froid, c'est délicieux. Alors c'est confit, hein. Oh, ouais. Donc on découpe pas, on... C'est bon. C'est à la cuillère presque. Hein. Oh, c'est génial. Tu vois, c'est pour ça que je voulais différentes formes. Parce qu'il y en a qui sont plus croustillantes, d'autres qui sont plus moelleuses. Et voilà. N'oublions pas ma petite sauce. Très simplement, l'épaule d'agneau confite au four. Très simplissimement, tu devrais dire. Très simplissimement. Merci Jean-François de nous avoir autorisé à prendre ta recette. C'est quoi ça ? Voilà l'application. Et l'application voilà. Quoi ? Simplissime. Et là, il y a la recette qu'on vient de faire. Il y a la recette qu'on vient de faire et il y a plein d'autres recettes avec de l'agneau. Des ragoûts, des brochettes, l'épaule d'agneau. Et surtout, pour le confinement, ils ont rajouté 150 recettes de pâtes.